We are here in an old industrial hangar, which used to be a place where metal tubes were produced. We are trying to mixing spatial sound works of us with high technology that we are projecting into this amazing space, so with its very characteristic acoustics, together with using bits and pieces of this old industrial activity to make actual sounds that happen now and here in that space. The idea is a collaborative project. So the reconfiguring of the landscape is a collaboration between artists and scientists and engineers. Ce projet pose la question de la relation entre composition électroacoustique spatiale et la notion du paysage. C'est une question assez complexe parce qu'on peut l'aborder de nombreux angles. Le paysage, en fin de compte, c'est aussi quelque chose que dans notre culture occidentale est beaucoup discuté en tant qu'image, alors qu'on a tendance d'oublier que le son fait partie inhérente de cette expérience. My interest is about discovering and unfolding the space. I really like this idea of going to a location and playing and interacting with it. And I'm quite open to this uncertainty of not knowing quite what I will find when I get there and not necessarily bringing things and preconceptions into the space, but finding out what is there when you get there. And I think that was like in Printemps when we found the materials and the objects we picked from the floor as we walked around, and we used those materials that were from the building to make sounds inside the building. And for me, I find that has a stronger resonance with the location. We can use 3D sound to help us understand our everyday sound landscape in a new way. And I've worked a lot with 3D sound for over 20 years, and I understood there was the potential to use 3D sound from both a creative and analytical perspective to allow us to hear things that maybe we didn't normally hear, to work with them and address them in a way we don't normally do, so that sounds around us which are normal and we ignore, we can bring them alive in a new way to help us appreciate everyday 3D sound around us. Ces technologies 3D, qui sont maintenant à la mode, vont permettre de démultiplier les possibilités de, à la fois de diffusion sonore et aussi de travailler sur ce son 3D comme matière. One of the technical creative areas that I've worked in extensively over the last year and a half is to take the highly precise 3D sound recordings, for example, the ones we made in the site over the weekend, and they capture the complete sound field. They capture everything, all the sound objects, the whole picture, and all the relationships, of course, between those sounds. And what I've been doing is to explore methods to pull that apart so I can isolate objects in that sound field and then have control over them. And once you can do that, it leads into a new realm of artistic possibilities, because you can draw out details that normally people would miss unless they're listening very attentively. Or you can draw out details that you manipulate and turn into musical objects. On va s'intéresser, en tout cas sur cette partie, pas uniquement au spectre émis, au développement temporel du signal sonore, mais à son déploiement dans l'espace. C'est ça qu'on veut reproduire et révéler finalement, encore une fois, l'espace dans lequel on est. Donc, du point de vue des scènes sonores en ambisonique, on va essayer de maintenir la possibilité de créer des flux sonores venant de différentes directions, comme l'orchestre avec sa disposition orchestrale, ou comme les sons électroacoustiques parvenant, donc cette fois, de l'ensemble de la sphère auditive. Mais pour ce qui concerne le haut-parleur à directivité contrôlée, là, il s'agit de pouvoir révéler les propriétés acoustiques de la salle, être conscient, uniquement par l'audition, de son environnement. It's been really fantastic to work with EarCam because they are, you know, experts and leaders in the field with working with technology, and to be able to combine two of these Eigen mics together and use them simultaneously to make recordings is something that you would never have the opportunity to do anywhere else because these microphones are incredibly special and very rare. Dans les serres de Pantin, où l'on va capter le champ sonore avec ces microsphériques
qui sont constituées de plusieurs cellules réparties sur une sphère. Et chacune de ces cellules va donc capter le champ sonore avec une certaine propriété compte tenu de son emplacement. Et ensuite, on va pouvoir encoder, transformer ces différents signaux pour les replacer dans le domaine ambisonique, c'est-à-dire essayer de reformer ce qu'auraient capté des microphones idéaux répondant à chacune de ces harmoniques sphériques. So, I think for us it gave us new opportunities to explore the space, and not just the microphones, but also the ICO speaker that is sending beams of sound to bounce off of the building. De la même manière que la lumière va nous permettre de prendre conscience de certaines parois, de volumes cachés, de volumes qui sont dans l'ombre, jouer avec l'éclairage et les ombres. Et bien là, c'est la même chose, on va éclairer de manière acoustique le lieu. Donc c'est vraiment un procédé acousmatique, non pas cette fois en multipliant le nombre de sources sur scène avec leurs propriétés acoustiques propres, mais à partir d'un même dispositif, contrôler son rayonnement de manière à déployer les sons de manière différente dans l'espace. Donc il s'agit à chaque fois d'essayer d'augmenter le vocabulaire spatial mis à disposition de l'ingénieur du son, du compositeur, du designer sonore. It's given us new confidence to use these tools and to understand how they're used, and I think always it's a process of learning and discovery, and you come back and you think, oh, if only we'd done this when we were in the space. So I think every time it's a process of learning, and I think that we feel that we've been pushing at the limits of what's possible for us, and it's been very exciting because of that. Je pense c'est indispensable aussi pour ce type de projet qu'on mène, qui est un projet à la fois de recherche artistique et de création, mais aussi un projet qui pose des questions sémantiques et théoriques, mais aussi des questions technologiques. De cultiver cet échange et en se retrouvant ensemble dans le même lieu. Donc ça veut dire qu'on réfléchit ensemble en même temps au lieu de juste se renvoyer les choses à distance. The site, of course, has this incredible acoustic, it's this enormous space. But I think what interests me is this sense of layering of history that is present in the site, and how it's an area that's been used by people for many years, and there's been so much activity there that has created sounds in the past, and now it's empty and silent. Until there are people there, there are no sounds. So I think for us it's really exciting to be able to bring back sounds into the space to try and conjure up some of those memories of the people that existed there before. Les grandes serres du Pantin, c'est un emblème architectural, notamment les grands hangars, pour une période, mais aussi pour un savoir-faire industriel. Hein. Parce que le paysage, ça peut être une idée structurelle, une idée spatiale qui se décline de manière musicale, mais le paysage implique aussi toute une pensée extra-acoustique et extra-sonore qui traite des questions environnementales, des questions d'écologie, de bien-être, des questions sociales qu'on ne peut pas ignorer si on parle du paysage.